Morning, family. Bonjour, famille. How are you? Comment allez-vous? Are you excited? Vous êtes vraiment enthousiasmé? No. Are you excited? Vous êtes vraiment enthousiasmé? God is doing great things. Dieu fait des grandes choses. And what what an honor to speak uh, to you any time. Et c'est vraiment un honneur de, parler, de vous parler. Mais spécialement quand vous apportez votre offrande de sacrifice. And it really is a time of et c'est vraiment un temps de miracles parmi vous. J'ai tellement d'expectations et de dans mon cœur. J'ai vraiment des, des attentes dans mon cœur. La, la main de Dieu est sur cette maison. Combien vous sentez la même chose dans votre esprit? Amen. That's wonderful. And God's hands on vraiment, Dieu est, est en train de camper And sur I, la France. I believe you guys are like the tip of the spear. Et vous êtes à la pointe de. For what Dieu veut faire. So we so honor you. Thank you for opening your house. Your Merci d'avoir maison. Vos, vos maisons. Thank you, Pastor Robert, Catherine. You guys are amazing. Merci, Pastor Robert, Pastor Catherine. And, you and are now to know now to know all of your team Et to is, votre is wonderful. Vraiment merveilleux. Thank you. Merci. Thank you so Merci. much. Merci. Um, this is uh, just the presence that we've been in this week. Is a treasure. Cette présence qu'on a connu toute cette semaine, c'est vraiment un trésor. Also, to get to know more of you and to recognize your faces is so special. Également de vous reconnaître, de connaître votre visage, c'est vraiment spécial so, pour nous. So um, I, I, I was just saying, Lord, help me. Je, Seigneur, aide -moi. Because this is so special this morning. C'est particulier ce matin. And uh, I want to give you just. Et je voudrais vous partager un peu de ma vie. Je ne veux pas prêcher un sermon. En fait, je n'aime pas prêcher des sermons. Sorry n'aime really like ah, pas vraiment prêcher des sermons, en fait. But I do like mais j'aime la parole qui vient de Dieu. Et je crois today. que j'ai vraiment une parole qui vient de Dieu I pour I vous aujourd'hui. Je crois que j'ai une parole collective, mais également pour chacun d'entre vous. Sure right Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que quelqu'un a un rêve sur votre sur votre okay. vie, dans votre vie? Every hand should go up Toutes because your life recevez. is worthy of a dream Parce que vie and a destiny. Amen. So let me ask you again Does anybody have a dream -ce que for your a life? Rêve pour votre vie? -ce vous rêve? So I want to talk to you about the unlimited potential of your life today. Vous de ce, ce dans votre, dans votre Whether vie. you know it or not, this particular church is completely not limited. Que vous sachiez ou non, cette église n'est pas limitée. Que vous sachiez ou non, votre vie est complètement illimitée. Votre vie est illimitée. Are you a child of God? Vous êtes un enfant de Dieu. Est-ce que Dieu est votre père? Alors as God vous êtes is. illimité comme Dieu l'est. All things are possible to Him that toute chose est possible à ceux qui croient. Et je voudrais parler du sacrifice de l'adoration aujourd'hui. Like this, this Et comme je l'ai dit, c'est ma vie en fait. This is si j'avais quelque chose de vraiment précieux à vous donner aujourd'hui il n'y a rien de plus précieux que j'aimerais vous partager que ce que le saint-Esprit m'a demandé de vous partager and I want you to look in your Bibles regardons dans la bible Psalm 126, au psaume 126 verse 5 and 6 au verset 5 et 6 and I'll have to reference other scriptures because I have too many for translation. Donc beaucoup de versets. <laughs> but I want you to see the scripture because I just shared it on the video, the prophetic word. And I talked about 31 years that Pastor Robert Catherine had been here. And God said there's a harvest coming for every year. J'ai partagé que pasteur Robert et Catherine étaient là, avaient semé depuis 31 années et qu'il y avait vraiment une moisson pour chacune de ces années passées. So, Donc il est dit au verset 5, psaume 126, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. » Et celui qui marche en pleurant, ou on pourrait dire celui qui continue à avancer tout en semant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Il ramène sa moisson, ses brebis avec lui. So you said this day. is the time you're bringing sacrificial offerings to God. Et vous dites aujourd'hui c'est un jour où vous apportez un sacrifice à Dieu. And you've been giving, you've been doing amazing with your giving. Et vous avez été extraordinaire avec vos offrandes. And the scripture says that when you give like that, Et l'écriture dit lorsque vous donnez de cette façon-là, that you've entered into something that is doubtless. Vous entrez dans quelque chose qui est sans doute. It's absolute. C'est quelque chose de certain. Do You understand doubtless sans doute il y a aucune doute là-dessus. That rejoicing is in your future. Alors, la joie vous. That harvest is in your future. Vraiment, future. Now please go with me here because I'm not just talking about money. Donc, venez avec moi. Je parle pas juste de I am actually talking about the greatest transaction between God and man. Je parle en fait de la plus grande transaction entre Dieu et les hommes. And that is the transaction of Et c'est la trans transaction de l'adoration. Of, of worship. Chaque acte de d'adoration, de, de donner, est en fait un acte d'adoration. And you will guaranteed come again with a harvest. Et c'est certain, vous allez avoir une moisson qui suivra. The scripture says God will never be mocked over your life. Moct? Il est sûr, Dieu, on se moquera pas de Dieu dans votre vie. Jamais l'ennemi ne pourra se tenir devant vous ou devant Dieu et vous accuser et dire, oh lui, c'était rien. Dieu, on ne se moquera pas de Dieu. Ce avec quoi vous l'avez adoré. It is guaranteed, doubtless. Et c'est garanti, c'est certain. Harvest. La moisson. Rejoicing. Le, le, les réjouissances. donc la Bible parle de semer avec des larmes. Ou oh, je pourrais dire adorer avec des larmes. Ever with Vous avez déjà tears? adoré avec des larmes? Come on. Yes. Come on. You, uh, I love to give. Moi j'aime donner. And I love to worship. Et j'aime l'adoration. And, and it is amazing. Is it all right if I come down here? I'm, I'm va si je viens ici, ouais. i might walk all the way to the back. I don't know if Il I get inside. possible excited. que je marche <laughs> but, but, you see, if there's something you worship God with y a quelque chose avec lequel vous Dieu, that touches your heart, qui touche votre cœur. You know, usually when you cry, it's because something touched your heart. Some of the time it's a little painful. And some of the time it's a good tear. A, a happy tear. There's both kinds of tears. Yeah. Deux types de, de, de larmes. Right? Right. But when you worship God with something that A tear from your heart, et quand vous adorez Dieu avec quelque chose qui tout d'un coup attire les larmes sur vous, it will touch God's heart. ça va toucher le cœur de Dieu. Qu'importe si votre offrande c'est juste un euro, si ça vient du cœur et que ça touche votre cœur, ça va toucher son cœur. Et il y aura une transaction entre le ciel et la terre. and god himself a will administrate the harvest va organiser la moisson over your dreams au-dessus de vos rêves over your children de vos enfants over your family sur votre famille all giving tout ce qui est donné this sacrifice you talk about toutes ces sacrifices dont vous parlez is actually worship C'est vraiment de l'adoration. C'est une transaction qui bouge, déplace les royaumes. See, when you worship, actually, kingdoms shift. Quand vous adorez, en fait, les royaumes bougent. Vous savez que Satan a été le responsable de l'adoration la, dans le ciel Before he fell, avant qu'il chute. C'était lui qui gérait toute l'adoration au ciel. And he knew the power of et il connaissait la puissance de l'adoration. So, donc quand Jésus est venu sur terre, and he was as the son of God, et il a été reconnu comme Fils Satan de Dieu. Said, here, et il a dit, « allez viens, on va faire une transaction. Amène-moi un petit sacrifice. I know what you want. Je sais ce que tu veux. I have what you want. Et moi, ce que tu veux. You want all the people and all the kingdoms. Come on and worship me. And I'll give you the harvest you want. See, veux. he realized that kingdom shifted in the realm of worship that has an offering to it. And so he, Now, an offering doesn't buy anything. Une offrande an offering isn't paying for anything is in pain it's not buying or paying an offering is worship an offering is worship it's worship adoration. it's adoration it's adoration and so jesus said to the devil Donc, jesus a répondu au diable. if i can use my texas translation S'il peut utiliser ma traduction personnelle, is, is that all right if I use my ça va si je traduis ma personnelle. Ma... Et il lui a dit Ferme-la. Moi, je n'adore que Dieu. Je n'adore que Dieu. Et si j'adore Dieu, il va me donner tout ce qu'il a. Et tout ce que tu as, toi aussi. Tu m'entends Quand j'adore Dieu, See, God is looking for an opportunity to come and be God in your life. And the transaction that releases heaven is simply the genuine worship. Of a child et cette transaction God. qui va libérer ça dans vos vies c'est simplement d'être un enfant sincère et vrai devant Have Dieu savez-vous quand on l'adore à chaque fois sa présence vient quand il y a une véritable sincère adoration toujours so, sa présence vient et des fois quand on l'adore il y a des larmes qui viennent Because it, touches it. Your heart. How many of you brought your sacrifice for the new building and there was a few tears with it? Amen. There was, there was a few tears with it. You know, those euros were crying as you were c est, c est bringing it to the there's, there's a few tears. Like I had I, I planned for a new dress. Uh, or, I, je une robe. Or, or I had plans for... Maybe that flat I've I oh, wanted. Cet but you brought your dreams and said, God, I, I'm going to worship you with even my dreams. I'm going to worship vous avez you with my And there are tears, but I think there's also the tears of gratitude. How many of you brought de, offerings de, to the Lord because... You remembered where you were when God found Combien avez apporté votre fond en vous disant Je me rappelle d'où j'étais, d'où je viens Vous n'étiez pas toujours aussi chouette que vous êtes maintenant. Maintenant, vous avez une belle apparence. Mais si see. on rembobine le tout, I mean, look fine in here. vous êtes tous chouettes ici. Mais il y a ces larmes de la bonté really de think Dieu. Je pense que tears de worshipers I get et je veux vraiment prendre ces larmes, toutes celles que je peux prendre pour adorer et apporter mon adoration. That God, I have that can bless you. Parce que j'ai quelque chose, Dieu, qui peut te bénir. I actually can participate in the kingdom of god and what you're doing et je peux participer au royaume de dieu et à tout ce que tu fais and i think there's tears in those moments of worship of absolute gratitude et il y a c'est ces larmes de gratitude de remerciement dans ce moment là you're really not looking for anything in return vous, vous ne cherchez pas quelque chose en retour i know that we can't give to god without him giving, but I'm, not doing I'm doing it because he's so amazing. Mais je le fais parce est tellement I'm, I'm doing it because i'm in love with him. Parce que je amen. amen. I, I remember the breakfast with pastor robert. Je me du avec pastor and, robert. Uh, and this journey of to me giving is Et... worship. Et pour moi ce voyage de donner c'était vraiment de l'adoration. Et je me rends compte que le ciel entier est disponible si j'adore. Et que les greniers du ciel sont complètement grands ouverts. Et je me rappelle de cette rencontre avec pasteur Robert où il me partageait I I thank God he knows the voice of God but I know the voice of God and, and we, de we were sitting there having breakfast and and he said he told me about what y'all were believing for and I said go for it, go for me it. and I heard the voice of the Lord on the inside of me and he said give them the tithe of what they need and I don't know if Pastor Robert could see it but there was probably a little tear that Tu n'a peut-être pas vu, mais il y avait une petite larme qui commençait just, à sortir. Juste une just toute petite à ce moment-là. Parce que toute petite That was, that was a step of that was just a little tear of faith là, de foi, là. to say yes, de dire oui. and obligate. I wasn't obligating myself; I was obligating my father. Donc, je pas mais je who loves, loves you Seigneur. very moi And he knew where the, all the money is that's needed to supply that. Et, et sait à tous you, ici. you see, part of, part of harvest, you got to see that harvest that's in front of you. Si partie de la moisson, il faut le voir cette moisson qui est devant vous. Do you, you, you've, got to be, you've got to see the rejoicing that's in front of you, or you will never mm -hmm. sacrifice for your harvest. Il, il faut voir la joie qui est devant vous liée à la moisson, sinon vous arriverez jamais à donner. Do you, do you remember in the Old Testament when Israel was in the they, they were passing through the wilderness into their promised land? Vous, vous rappelez dans l'Ancien Testament, Israël traversait le désert, and the, they were out of water and their livestock was. Was, you know, it was just dying. Et ils étaient en train de, de mourir. And God said to them, et, et Dieu leur a dit à ce moment-là. Pick up your shovels. Your, shovels. Your, your dig. Ah, prenez votre pelle. God said to them, dig a ditch. Et creuser une fosse. Des fois, l'adoration, c'est juste d'obéir à Dieu, même si ça n'a aucun sens. So imagine? Imaginez-vous, ils ont pris leur pelles. Ils ont déjà soif. Their livestock is dying. Et ils sont en train de mourir. And God says, worship Et Dieu dit, adore-moi avec une fosse. Dig a ditch. Uh, creuse une fosse. Ils devaient se regarder doing? les uns les autres, mais qu'est-ce qui se passe là? We are in the desert and we are digging a dry ditch. But I have found that worship mais, is digging a ditch before mais God. Que creuser une fosse devant le Seigneur. You know, a worship that has obedience to it. It's digging a ditch before God. Creuser, creuser cette fosse and Dieu. the next morning. Et le lendemain matin, lorsqu'ils ont regardé cette fosse, l'eau remplissait cette fosse. I always ask people this, Et je demande toujours how much water did they get? combien d'eau est-ce qu'ils ont pu recevoir à ce moment-là? Combien d'eau ont-ils reçu? They got water in proportion to their worship. Et ils ont eu de l'eau proportionnellement à leur adoration. And you know what I believe you're doing in this house. Beside, what you're doing in this house, besides the impossible. Ce que vous faites au-delà de Is it you are digging a ditch? Vous une fosse. And God's gonna fill it. Et Dieu va la you're digging a ditch, and God's gonna fill it with glory. Vous une fosse et Dieu va la avec la You're digging a ditch, and God's gonna fill it with a revival. Do you have a dream? Do you see that? Vous avez un rêve, If you dig a ditch si vous creusez une fosse city, pour votre ville, Dieu va la remplir. Now, I need to, I need to, just explain a little bit more. Il faut que j'explique un peu plus là. The transaction that all giving is really worship. La transaction de tout don offrande, c'est vraiment de l'adoration. And those that sow with a heart Will reap a harvest of joy. Ceux qui sèment avec leur cœur vont moissonner une moisson euh, de joie avec joie. Do you, do you know Vous connaissez le premier homme dans la Bible? That God said to him, Ask me for anything. À qui Dieu a dit demande-moi ce que tu veux? Do you know who that was? Vous savez qui c'était? Go Restez avec moi, on, on y va là. Do you know the first man in the Bible Le premier homme dans la Bible, that God showed up to him in a dream, Dieu lui a montré un rêve et qui a dit ⁇ Tu as touché mon cœur ⁇ demande tout ce que tu voudras. C'était Salomon. Okay. C'était Salomon au moment de son couronnement. Il savait, il savait pas du tout comment il allait être roi. Il avait 33 ans à l'époque. A type L'âge avec Christ. Et à ce jeune âge. He did something that touched the heart of God. a fait quelque chose qui a touché le de Dieu. I don't know if he did it with tears, but I know that the cows were crying and the sheep were crying. Je sais pas s'il fait larmes les vaches et les brebis But he he went crazy with worship. était fou dans la louange. Normally, when a king was coronated, you know he would give a few oxen. He would give a few cows. Normalement, lors d'un couronnement d'un roi, il he donnait would, quelques, quelques vaches, quelques moutons, quelques brebis. Mais Salomon, non. Went crazy with worship. Il est devenu complètement fou, euh, démesuré avec l'adoration. Il a adoré Dieu avec tout ce qu'il avait. Do you hear me? He il a adoré Dieu avec tout What ce qu'il avait. Qu'est-ce que Dieu ferait dans cette maison Ici, dans cette If maison, si vous l'adorez avec tout ce que vous avez. Alors, je pense qu'il va revenir vers vous. Il viendra et vous Demande-moi tout ce que tu veux. Illimité. Je viens de dire que vous êtes des gens illimités. Quand vous adorez Dieu, vous ascendez au royaume des cieux. Vous êtes dans un domaine And du ciel. Vous êtes à ce moment-là illimité dans cela. Your, your vous n'êtes pas limité par votre économie. Ou par vos revenus. Right Et votre rêve n'est pas limité par le montant d'argent que vous avez maintenant. Vraiment, le ciel va venir. Et il y aura une moisson. Donc, Dieu est venu à Salomon et lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Et pourquoi est-ce que c'est Salomon qui est le premier homme qui a dit ça à Dieu Because he found, à qui he lui a Parce que Dieu a vu en Salomon un adorateur. Et il dit, là, il y a un cœur pour lequel je peux vraiment avoir confiance pour toute chose. You know what I've seen about this beautiful house? I, I really think God can trust you with anything. The Lord spoke to me not too long ago. He said in the last days I'm going to use the worshiper and the offering bringer. Le Seigneur m'a dit que dans les derniers temps, il allait utiliser les adorateurs et ceux qui apportent des offrandes. Et il ne parlait pas de la taille de l'offrande que la personne he amène, the mais plutôt à cause du cœur qui apporte cette offrande. And God's the earth to show et le, le Seigneur regarde partout sur la terre pour se montrer puissant, pour voir quel homme, quelle femme court après son cœur. To a man or woman is after his heart. Les hommes et les femmes qui, qui cherchent son cœur. Et pour que Dieu se révèle tout puissant. si on regarde aujourd'hui notre the monde, le centre de l'adoration, c'est le mont Morija à Jérusalem. The, the, the very focal point of De toutes les religions, le point right central. De concentration. C'est sur ce mont Morija. And it was later that God again. Et plus tard, Salomon adorait Dieu like 120, avec 120 000 brebis And he him with 22, 000 cows. et avec 22 000 vaches. C'était complètement démesuré son adoration. Et il a bâti la maison de Dieu sur le mont Morija. Et quand l'adoration est venue, the glory of God filled the house. la gloire de Dieu a rempli that la maison. Et personne ne pouvait se tenir debout dans cette maison parce que Dieu avait rempli cette maison. Dieu est de Paris. Et Dieu regarde du ciel partout sur Paris For a house to fill with his pour remplir une maison qu'il veut remplir. Pour une maison qui va l'aimer de façon extravagante. Like Adorer le Seigneur de cette façon c'est pas rationnel. Life has to be wrapped up in that offering. Votre vie doit être en, euh, emballée dans cette That adoration. Heart, si cette offrande touche votre cœur, ça va toucher son cœur. On ne peut pas adorer Dieu avec des cœurs vides. Rappelez-vous David. The reason Solomon built The temple on Mount Moriah. La raison pour laquelle Salomon a bâti le temple Is de Dieu sur le mont Moriah. Parce que des années auparavant, son père God. avait péché contre Dieu And he numbered Israel. et il avait dénombré Israël. Et quand il dénombrait Israël, il était sur le bras de la chair. Laissez-moi le dire de cette façon. He counted the army of Israel. Donc, il avait dénombré l'armée d'Israël. Et c'était un grand péché. Because Israel was so small Parce qu'Israël était si petit. C'était la plus petite des nations. And they always defeated bigger nations. Et ils ont toujours uh, vaincu des plus grandes nations, bigger giants. des plus grands géants. Because they trusted in God. Parce qu'ils faisaient confiance en Dieu. Donc, quand il a dénombré son armée, il a péché David. Parce qu'il a commencé à se reposer sur ses propres forces et non pas celles de Dieu. Et on le trouve dans la Chronique 21. Vous savez ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu une plaie qui est arrivée qui a touché. Et des gens sont morts. Et Salomon a dit Mais les brebis n'ont rien fait de mal. C'est le berger. Montre-moi quoi faire pour arrêter cette plaie. What did God look for? Et qu'est-ce que Dieu a recherché He looked for worship. Il, ad, il a cherché l'adoration. L'adoration touche toujours le cœur de Dieu. He looked for a transaction of worship. Et il, il cherchait une transaction d'adoration. Et David. By the Spirit of the Lord, went to a man's. It's called a threshing floor by the name of Onan. Donc, um, David est allé rendre visite à Ornan. And when Onan saw David coming and the angels coming to this threshing floor, He was afraid. Il a eu très peur. And David said, "I want to buy the threshing floor." et donc David a dit je veux acheter ce terrain cette aire et actuellement cette aire là c'est le mont Morija là où Salomon a construit le temple là où la gloire de Dieu allait remplir la terre Onan said, et Ornan a dit non non tu ne vas pas l'acheter je te l'offre et David the sweet et vous savez ce que le roi David, celui qui adorait le Seigneur, il a dit non. Il a dit non, je ne peux pas offrir quelque chose à Dieu qui ne me coûte rien. And he paid Et il a payé pour ce mont Morija. And he God Et il a adoré le Seigneur. Et la plaie s'est arrêtée.

Et toi, mais j'ai pas vraiment l'intention de faire ça avant. Mais je t'aime, Seigneur. Et je te suis. And your obedience Et vous êtes obéissant. C'est une adoration. It's Ça coûte quelque you chose. Peut-être qu'il y aura une larme qui va But couler. Later, Mais des jours plus tard, vous allez regarder en arrière. So Et dire "Je suis tellement heureux que j'ai obéi." Parce que je marche dans la moisson de cette on, adoration. Vous êtes avec moi, vous we're, entendez now we're going somewhere. On va quelque part. Parce que vous allez voir toute la Bible toute la Bible parle d'adoration. La seule transaction que nous avons avec Dieu, c'est l'adoration. Uh, Dieu veut qu'une chose, notre amour. Ce you n'est know, he, pas parce qu'il en manque. Il veut sincèrement votre amour. And if you would just radically love him, et si vous l'aimez de façon radicale, radically run after him, et si vous courez après lui de façon radicale, radically bring radicale him offerings of et vous lui, obedience lui apportez ces offrandes-là, le ciel va s'ouvrir sur votre vie. Harvests will open over your life. Et la moisson va s'ouvrir sur The votre resources vie. Of heaven Les ressources du ciel vont venir. Viendront. Donc, il y a des années, j'étais dans l'état du Nevada And I, I was helping a church et j'ai une église build a building. à bâtir un, un immeuble. C'était un, un lieu où on fait du ski And there were, uh, many movie stars there. et il y avait beaucoup de stars du cinéma là-bas. And it was a very spirit. Et vraiment un esprit antéchrist présent. Et c'était très cher de bâtir quelque chose. Et cette église était en train de donner une offrande de 3 millions de dollars à une église euh, de l'Est des États-Unis. À ah, de recevoir, pardon, une offrande de 3 millions euh, de, de dollars d'une église des États-Unis. Et il y a des années, c'était déjà beaucoup d'argent. Ils avaient déjà acheté le terrain, ils avaient déjà conçu les plans du bâtiment. Mais quelque chose me dérangeait. Quelque chose me dérangeait là. Et je priais avant de rencontrer le pasteur en disant "Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas I said, "This is one of the greatest financial miracles I've ever seen." C'est le plus grand miracle financier que j'ai jamais vu. I don't know what that would be in euros. Je ne sais pas combien ça vaudrait en euros. million euros. I don't know. A lot. Beaucoup, beaucoup d'argent. Anybody could use million this morning. Oui, on pourrait utiliser 3 millions de toute right. uh, uh, C'est beaucoup d'euros. Et j'ai dit, mais Seigneur qu'est-ce qui ne va pas? And he spoke to me that scripture. Et il m'a parlé à travers du verset. Il said dit, Les gens dans cette église ne m'ont rien donné. Leur cœur n'est pas connecté parce qu'il n'y a pas d'adoration. Et vous savez, cette église n'a jamais été construite. Bien qu'ils aient reçu ce seen, plus grand don financier, ils ne l'ont jamais construite. Et Dieu a fait rechercher des cœurs qui étaient connectés avec une adoration sincère. Est-ce que nos cœurs sont connectés? Est-ce que nos cœurs sont connectés? Amen. Vous savez à quel moment on mentionne pour la première fois l'adoration? C'est en Genèse 22. And God said to Abraham, Et Dieu a dit à Abraham, quand il avait plus de 130 ans, He started believing for Isaac when Isaac when when Abraham was 75 years old. Donc il avait commencé à croire pour Isaac quand il avait 75 ans. So Abraham has been believing God for His promise for over 50 years. Et donc Abraham avait cru à sa promesse pendant 50 ans. And he got one son. Et il a eu un fils. And God promised him stars in the sky. Et Dieu lui avait pourtant promis des étoiles du ciel. God said, "You're going to have." Sons like the stars of the vous allez avoir des fils et des filles. Il lui a dit :« Tu auras des fils et des filles comme les étoiles dans le ciel. » How many of you realize today you are some of those stars Est-ce que vous réalisez qu'aujourd'hui vous êtes une de ces étoiles Vous réalisez cela Vous êtes une de ces étoiles. And Abraham's got Isaac, his precious son. Donc precious. Abraham a eu Isaac, son fils précieux. And God says. Et Dieu a dit. To get you to the next level. Pour monter au prochain niveau, il faut viens et adore moi. C'est la première fois en fait que l'adoration est mentionnée. Et il dit Apporte-moi ton fils unique Isaac, celui pour qui tu as cru pendant 55 ans. Combien pensez-vous que ça a été quelque chose de très précieux when God asks you for worship, He's not picking on you. Et lorsque you know, Dieu vous demande une adoration, on, il, il, he's not trying to be il essaye pas de vous embêter. Voilà, de vous embêter. Il essaye plutôt de vous bénir. De vous bénir bien au-delà de tout ce que, ce que vous n'avez jamais atteint par vos propres forces. Et Isaac, I je pense, avait aussi beaucoup de foi. Il avait aussi le début de la trentaine. Parce qu'il était un type de Christ. And so Isaac and Abraham take a journey. Donc Abraham et Isaac partent en voyage. Vous savez où ils sont allés Vous savez où le premier lieu, où la première adoration a eu lieu Le mont Morija. It's always been about a toujours été un problème de transaction d'adoration. Toujours une histoire de transaction d'adoration entre Dieu et les hommes. David a adoré sur le mont Morija. Salomon a adoré sur le mont Morija. Il pouvait demander à Dieu ce qu'il voulait. And so he binds Isaac, lays him down. Donc Abraham attache Isaac sur l'autel. Actually, if you read in the New Testament, he was going to believe to raise him from the dead. Et en fait, dans le Nouveau Testament, on dit qu'Abraham croyait qu'Isaac uh, allait être ressuscité. Even though he sacrificed him, he still had a promise that he had a son. Parce que même s'il si était en train de sacrifier, il savait qu'il avait encore la promesse. So he was going to raise Isaac from the dead. Donc il pensait qu'il allait ressusciter des morts. Does that sound like anybody who raised his son from the dead? C'est comme quelqu'un qui. Une autre histoire où son fils a été ressuscité. I imagine that had a tear or two. Je pense qu'à ce moment-là, Abraham a dû avoir aussi une larme. This was from his heart. Parce que cette adoration venait de son cœur. Cette adoration était le fruit d'une obéissance sacrifice. la plus élevée. Il y a des adorations où votre vie est complètement entourée Worship is so much more than a song. L'adoration c'est tellement plus qu'un chant. Worship is a life. L'adoration c'est une, une vie. It's got. C'est une vie. Où il y a l'amour. It's got the best. Où il y a le meilleur. Et vous savez, lorsque vous adorez de cette façon-là le Seigneur, il y a I un parfum qui descend sur votre vie. When a church worships God like that, Et quand une église adore le Seigneur I de think think cette façon-là, il y a un fragrance. parfum du ciel qui descend sur l'assemblée. Et, Et au moment où Abraham allait justement adorer le Seigneur avec tout ce qu'il avait, un ange lui a dit un ange a crié vers lui et a dit « Arrête !» Et lorsque Abraham a levé les yeux, il y avait un, un bouc been in the qui était attrapé dans les branchages. And that was a sacrifice that God et là, c'était le sacrifice que Dieu avait pourvu. Et c'est la première fois que Dieu a appelé le Dieu qui offre et c'est la première fois où Abraham a appelé Dieu le Dieu qui pourvoit. Et ce Dieu qui pourvoit à toute chose est un Dieu où il y a la transaction. Combien d'entre vous avez besoin de ce Dieu qui pourvoit? Alors il faut que vous soyez un adorateur. Vous devez être un adorateur. Combien voulez-vous que vos rêves s'accomplissent au-delà de ce que vous pouvez faire et de votre force. Soyez un adorateur. Il faut que vous soyez un adorateur. And at that moment a lamb Christ manifest in the earth à ce moment-là un agneau Christ s'est manifesté sur la terre sur le mont Morija et vous savez des milliers d'années plus tard il y a deux mille ans Dieu a envoyé un fils sur le mont Morija and took our place qui a pris notre place so that Christ, all his riches afin que Christ et toutes ses richesses of salvation, son salut And healing, and deliverance, and blessing, could manifest in our lives. You can never pay for that. But you can worship God. And this is what I want you to hear: that every time you worship Him, with a life wrapped up in it, with obedience wrapped up in it. Que votre vie soit entourée. Chaque fois que vous l'adorez de cette façon-là, Dieu arrive sur la terre. Et Dieu arrive dans votre vie. Christ se manifeste dans ce monde. Sa manifestation vient toujours au travers de l'adoration. L'adoration, c'est vraiment, il y a une vie qui est entourée de cela. As you worship God, Alors que vous adorez Dieu, rien ne, vous vous rien, is is impossible impossible. rien ne sera impossible. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Entendez-moi s'il vous plaît. Rien ne sera impossible. Ne vous sera impossible. Rien ne sera impossible dans ce lieu si vous, vous adorez him. et aimez Jésus, Jésus Jésus viendra dans cette maison. Jésus viendra dans cette maison. Years ago, il y a des années de cela, I was uh, sending printing presses to the Ukraine. were sending printing presses to the Ukraine. d'accord. Il envoyait en Ukraine des choses d'imprimerie, d'accord. And we had spent all the money we had. Et on avait dépensé tout l'argent qu'on avait. To see that happen. Pour qu'on on voit ce, ce projet se réaliser. Uh, Et quand j'ai vu ces, ces Ukrainiens, ces hommes ukrainiens, no j'avais plus aucun argent qui me restait. Mais j'ai découvert que je n'avais pas besoin d'argent pour adorer Dieu. Je have have n'avais pas besoin d'argent pour obéir à Dieu. C'est jéhovah Jireh C'est sa part, part à lui. Il fallait juste que, que je dise oui, là où tu veux m'envoyer, ok. Et cet homme me disait Mais venez en Ukraine et démarrez des églises. He thought I had money. Et il pensait que j'avais beaucoup d'argent. No et j'en avais pas. People had no money. Et les gens n'en avaient pas non plus. Et j'étais fatigué, je voulais pas l'écouter. Et toute la nuit, dans mes oreilles, j'entendais cet homme « Viens en Ukraine. Commence, démarre des églises. Et je mettais mon oreiller sur ma tête. Je ne voulais pas que ça touche mon cœur. Bad. Mm, mauvais. Donc le jour suivant, on allait à l'aéroport. C'était avant les téléphones portables. Et ce man disait S'il vous plaît, viens nous aider. Et cet homme était à dire, venez, s'il te plaît, viens nous aider. No. J'allais dire non. Elles étaient sur le point de sortir de mes lèvres. Tout d'un coup, j'ai réalisé. Un jour, j'allais me trouver devant Jésus. Un jour, j'allais lui rendre des comptes. Et j'ai baissé ma tête et j'ai dit Dieu. J'entends le cri du monde. Et je ne veux pas me tenir devant toi en ayant dit, je ne veux pas vous aider, le monde, j'ai mes propres problèmes. J'ai dit, Dieu, je vais dire oui à cet homme. Il pense que j'ai de l'argent. I don't have any money, Et j'en ai aucun. But I can worship you. Mais je peux t'adorer. Right je peux t'adorer avec une obéissance qui me some coûte maintenant obedience. une obéissance de sacrifice. So I lifted my head. Donc j'ai relevé ma tête. I said, we'll come. « Ok, nous viendrons, we'll plant nous planterons des églises. » Et on a effectivement planté we'll trois. The on a formé les pasteurs. We'll on a pourvu à beaucoup de besoins. We'll on, a, on a prié pour le système sonore. Il était tellement enthousiasmé, il a presque abîmé la voiture. Et je me suis engagé so à un tel niveau de l'argent. About 30 minutes later, et 30 minutes plus tard, j'ai appelé mon bureau and my secretary screaming. et ma secrétaire a crié. « Pasteur Pasteur Et donc, j'étais vraiment dans une toute petite ville. Il n'y avait pas d'argent là-bas. Ils hein? n'avaient no pas trop de revenus. But she screamed, Pastor. Elle criait, pasteur! You're not believe what just happened a few ago. Vous n'allez pas croire ce qui vient de se passer. Said, a man I've never seen Un homme que je n'ai jamais vu. Live in our city. Il ne vit même pas dans notre ville. Walked into the office Il est entré dans le bureau. Et nous a donné 35 000 dollars pour la mission mondiale. Ouh! Amen! How, people gave houses. Houses started coming. Houses. Houses. People gave houses. Ah, des gens ont donné des maisons. Ils ont commencé à donner des maisons. We started the three churches. Et on a démarré trois églises. Pastor, those three churches—the last I knew. Et pasteur, ces trois églises. One of them became one of the largest churches in the southern Ukraine. Est devenu l'une des plus grandes églises du sud de l'Ukraine. And they started over 75 churches. Et Ils ont eux-mêmes démarré 75 églises. 75, churches 75 églises à partir d'une adoration. Vraiment, le ciel est entré dans l'histoire. Le ciel est arrivé. This, et j'ai appris ça. That Jesus paid every price Jésus a payé tout, tout le prix, tous les prix, pour que nous jamais dire non. Afin qu'on ne puisse jamais dire non to the cry of the world. au cri du monde. Mm. Never say no ne dites jamais non to the cry of Paris. au cri de Paris. Never say no ne dites to the jamais cry of non au cri de la France. Jésus est mort. Jehovah Jireh will manifest. Jéhovah Jirai se manifestera. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est de l'adorer. Dites oui. Nous te suivrons. Et vous et vous verrez Shake Dieu ébranler nation les nations par la puissance de Dieu. Vous êtes illimité. Parce que vous allez l'adorer. Et Jéhovah Jireh remplira cette maison. Je vous bénis, adorateurs. Levez vos mains, je vous bénis, adorateur. Je vous bénis.

Uh, des gens qui pleurent ou qui crient vers vous. vous allez les nourrir vous allez les couvrir les habiller vous allez les délivrer vous allez construire une grande maison house of une grande maison d'adoration et Jéhovah Jireh se manifestera dans cette maison et dans votre maison et vous ne serez plus limité. Of your life, et tous vos rêves dans vos vies you Will never be controlled vous ne serez jamais contrôlé par cet esprit de mammon. Parce que vous allez adorer l'esprit de Christ. In Jesus name, Au nom de Jésus. Be blessed. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Rise up. Levez-vous. And possess your destiny. In Tenez Jesus votre name. Au nom de Jésus. Rise up! Levez-vous and possess the land. Et possédez, prenez possession In du Jesus pays Jésus. Au nom de Jésus.